Sur la canoë, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est mitigé. Il y a des nuages sur le sud, c'est dégagé sur le nord et sur la mer, c'est brumeux, mais la brume est en train de se dissiper. La visibilité est encore un peu juste pour aller surfer. Il fait 0 degré, la température de l'eau est à 14 degrés, la marée est en train de descendre. Le plein bas est à 11h45 avec des coefficients de 97. Et sur ce descendant, on a le vent qui est offshore faible, est-sud-est. Un beau fort, le plan d'eau est propre et on a une houle qui est longue avec 11 secondes de période orientée. Ouest-nord-ouest à nord-ouest, une houle qui est à la hausse, un peu sectionnée, assez propre, mais c'est moins joli qu'hier. Et là, sur les séries, il y a à peu près, on arrive à discerner dans la brume, il y a 1,20 m. Entre les séries, il y a 1 mètre. Ça sectionne un peu, mais sur les meilleures bandes de sable, il y a des vagues à attraper. Vous voyez, ça sectionne un peu. Bon, il y a des bouts, il faut laisser la brume se dissiper un peu pour aller surfer. Là, il n'y a personne à l'eau, il y a quelques surfeurs qui checkent les conditions. Alors, comment cela va-t-il évoluer pour le reste de la journée? Ben, c'est un train de houle qui va continuer de grossir, un vent qui devrait se renforcer. Au sud, la boue Arcachon est à la hausse à 2,30 m et 11 secondes. On attend à 13h 1,50 m à 1,80 m. Ou l'ouest, nord-ouest à nord-ouest, 11 secondes de période, vent de sud-sud-ouest à 2-3 Beaufort et à 17h 2 m à 2,30 m. Ou l'ouest, nord-ouest à nord-ouest, 12 secondes de période, vent d'ouest de Beaufort. A priori, le meilleur créneau c'est ce matin, marée basse au large à surveiller cet après-midi aussi sur le plein haut. Prochain point à 11h30. A tout à l'heure, merci. We'll be right back.